se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Compte, moi, le premier policier de France, passé pour un fou. C'est les journalistes apprenaient ça. Oh, monsieur le commissaire, monsieur le commissaire, vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. If you don't know, I don't know, no? I don't understand. You come with me to pick up Peter. No, you come with me to pick up Macintosh. No, you. I beg your pardon. And if you don't come, I... Ah, merde alors, comment on dit comment ça? Comment ça, merde alors? But alors, you are French. Hmm? You are not English? No. Il est temps de se servir de toute la presse dont vous bénéficiez, Callahan. Et comment vous comptez faire, lieutenant? Eh bien, à mon avis, en ce moment, vous servirez plus la police en travaillant avec moi aux relations publiques. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un. À son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Le Samaritain d'Ébène est au bout du fil. Tu as un problème avec l'Ébène? Du tout. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Franchement, c'est pas très malin. Il y a des vies qui sont en jeu.
Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore.